Salam alaikum azulfillahun, bonjour. Le régime algérien est arrivé à toutes ses fins. Il a réussi toutes ses stratégies, jusqu'à leurs moindres petits détails, jusqu'à écarter tous ceux qui l'encombraient un tant soit peu, et Dieu sait qu'ils étaient costauds. C'est tous ces gens qui lui faisaient de l'ombre, qui ne s'adaptaient pas aux nouvelles donnes, à la nouvelle reconfiguration, à l'intrusion envahissante et quasi monopolisatrice d'une puissance étrangère dans la prise de décisions politiques et économiques. Le régime a tout réussi, jusqu'à mettre tout un peuple en boîte, jusqu'à faire élire un impotent quasi intégral à la tête du pays, qui ne sert désormais plus que de vitrine institutionnelle aux vrais parrains de la mafiocratie qui dirige le pays et qui en dissipe les richesses en compromettant gravement son avenir même, celui du pays, son existence même. Ce régime, fort de la puissance tutélaire qui le protège, ne craignait plus rien. Il est désormais en pays conquis. Réduit au pire, État qui puisse s'imaginer, réduit à laisser l'aviation militaire française passer par son ciel pour aller bombarder les Maliens, réduit à envoyer son armée défiler au 14 juillet, au défilé du 14 juillet, à tout confier à la France pour tout ce qui la concerne, pour tout ce qui concerne sa souveraineté, jusqu'à ce dernier crash de l'avion d'Air Algérie d'avant-hier, dont la gestion des secours et la communication ont été prises en charge d'autorité par le président de la République française comme quelque chose de tout à fait naturel. N'est-il pas un pays reconquis? Mais il reste une situation, une seule, que le régime craint, comme le sida, le lynchage et la ruine réunis. Ce sont les manifestations et les marches populaires. Jusque-là, il a toujours réussi à les interdire. Mais l'agression contre Gaza par le terrorisme sioniste, qui a été soutenu, qui a été dénoncé plutôt par presque tous les peuples de la Terre, y compris à Tel Aviv, ne pouvait pas être passée sous silence. Malgré l'interdiction, la rue algérienne grondait, les digues ont sauté, la rue a décidé de se passer de l'autorisation d'un régime qui ne sait plus quoi faire. Il a bien tenté d'organiser lui-même des marches qu'il a confiées à ses nervis, à ses petites organisations de masse, à ses partis qui sont dans la mangeoire, comme on dit, pour encadrer les foules. Mais le vrai peuple d'Alger, celui qui ne bouffe pas au râtelier, a décidé de sortir et de forcer les cordons de police, mais pacifiquement, sans provoquer les forces dites de l'ordre. Alors, le régime a trouvé une autre parade. Tout faire pour empêcher que les marches fassent jonction, surtout celles organisées par les islamistes et les autres. Il fallait tout faire pour qu'elles ne se retrouvent pas dans une seule et même grande manifestation. Des cloisons étanches bourrées de flics et de tampons sécuritaires ont scindé donc ces manifestations. Mais cela n'empêcha pas le peuple d'Alger de manifester son soutien à ses frères humains de Palestine.
Ce n'est qu'un commencement. Nul doute que nous entrons désormais dans une phase nouvelle. La rue a compris, hier et aujourd'hui, qu'elle existe, qu'elle peut forcer la main du régime. Le temps où elle manifestera contre lui, contre sa propre oppression, contre le bradage de son pays, est déjà là. Aujourd'hui, Huffington Post. À Alger, des milliers de manifestants pour une marche entravée pour Gaza. Le soir d'Algérie. Marche pro-Gaza à Alger. Les Algériens condamnent le génocide israélien. Liberté. Sit-in de protestation de la CNLTD contre la non-autorisation de sa conférence. L'opposition investit la rue. Avec nous, Faisal Mattaoui, journaliste et Badreddine Guelfa, cadre du FIS. Mais avant cela, nous allons voir une courte vidéo. فمن أراد أن يذهب إلى ساحة أول ماي فله ذلك
ومن أراد أن يبقى في المسجد فله ذلك ومن أراد أن يرجع إلى بيته ويدعو لإخوانه فله ذلك ومن أراد أن يتبعنا إلى المطار إن شاء الله عز وجل فله ذلك ونية المؤمن خير من عمله نسأل الله أن يوفقنا واتركوني يا إخوان في المقدمة جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم Faisal Mataoui, merci de nous avoir rejoints. Faisal, bonsoir. Alors, pourquoi le régime a-t-il si peur de la rue? A-t-il peur de perdre le contrôle de la situation? Vous savez, c'est une grande question, mais c'est une question qui se pose depuis presque 20 ans, pour ne pas dire plus. Vous vous rappelez que le président Bouteflika a levé l'état d'urgence en 2011, après la vague de soulèvement populaire dans les pays arabes, qui a commencé par la Tunisie, puis l'Égypte, la Libye, etc. Donc dans la peur, le régime un peu confus a levé l'état d'urgence, mais en fait, il a levé l'état d'urgence d'une manière tout à fait technique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de l'état d'esprit. On continue à interdire au mépris des lois, au mépris des pactes des libertés civiques et politiques que l'Algérie a ratifié, parce que l'Algérie ratifie beaucoup de pactes internationaux relatifs aux libertés et aux droits de l'homme, mais qui ne les applique pas sur le terrain. Et donc l'esprit de l'état d'urgence est toujours présent. On n'a aucune raison pour interdire une marche de plus de solidarité avec le peuple palestinien, c'est-à-dire que normalement c'était au gouvernement, à l'État de laisser la population s'exprimer, bien sûr pacifiquement, dans le respect de la loi, et exprimer sa colère vis-à-vis de ce qui se passe en Palestine et surtout à Gaza. Mais au lieu de cela, on interdit, c'est-à-dire que même la solidarité dans des cas humanitaires dans un cas aussi grave, c'est interdit. Autrement dit, cela vous donne une idée sur l'ampleur de, pas de la peur, je dirais l'ampleur de la répression qui se retrouve en Algérie. On empêche les Algériens de s'exprimer. Il est vrai qu'hier, vendredi, il y a eu des marches qui ont été organisées en dehors d'Alger, c'est-à-dire à Guelma, à Almira, à Ouargla, à Parf et dans d'autres wilayas, ou même à Oran, où les gens ont pu marcher sans être empêchés. Donc, autrement dit, l'Algérie, plutôt Alger, demeure un territoire interdit aux Algériens. C'est une presque une zone fermée pour l'expression libre. Ça veut dire, en clair, c'est le régime qui en arrive, même pour une histoire de Gaza, de soutien à un peuple palestinien, ou même, il y a eu des manifestations, même à Tel Aviv, qu'il en arrive à avoir peur. À ce niveau de la rue, au point de vouloir l'empêcher de se retrouver dans des manifestations ou des marches, il donne le sentiment qu'il est en état de siège, ce régime qu'on croyait si fort et si sûr de lui. Non, c'est un régime qui est très fort, qui est sûr de lui, et ça n'a pas changé sur ce plan. Sauf que le pouvoir en place veut avoir le monopole de la solidarité, parce qu'on nous a dit que Louisa Fanon aurait demandé à M. Abimael, le Premier ministre, d'organiser une marche en coordination avec l'Union Générale des Travailleurs Algériens, qui, comme vous le savez, est un syndicat totalement affilié à la clientèle du pouvoir, comme le GTA mené par Abimael Dessaï, donc ça sera une solidarité orientée. Absolument. Solidarité officielle. Donc on ne veut pas que la rue s'exprime d'une manière autonome. C'est une philosophie, très ancienne. En Algérie, du moins depuis l'arrêt du processus électoral en 92, on refuse que la rue, que l'opinion publique, que la société s'exprime d'une manière autonome. Moi j'ai appris par des sources parallèles que c'est l'inverse, que c'est le régime qui aurait demandé à Louisa Hanoun si elle voulait bien accepter d'encadrer avec Sidi Saïd des manifestations plus ou moins contrôlées. Mais bon, ils sont arrangés pour que ce soit l'inverse, que ce soit elle, soi-disant, qui ait présenté cette demande. Absolument, mais c'est fort possible, Jamel. C'est fort possible dans la mesure où Louisa Hanoun fait partie de la clientèle du pouvoir, c'est pas un parti d'opposition.
c'est un parti qui relie de manière assez étudiée les messages du pouvoir. Et donc, même pour exprimer une solidarité d'une manière spontanée, c'est interdit. C'est l'ampleur du drame algérien. C'est cette absence de confiance vis-à-vis de la rue, cette absence de démocratie et de liberté d'expression qui s'exprime encore une fois avec l'interdiction de cette marche pour Alger. Je crois que le pouvoir était un peu gêné du fait que cette marche soit encadrée par des leaders de l'opposition. Il ne veut pas que l'opposition s'exprime même sur une affaire extérieure à l'Algérie. Autrement dit, on est en train de tourner en rond. Exactement. Alors on a l'impression que le régime ne veut pas qu'une force émerge de ces circonstances autour de laquelle les Algériens pourraient se rallier éventuellement en cas de contestation intérieure. Absolument, les Algériens ne sont fédérés qu'au football. Vous savez voilà, que, oui, et malheureusement. Absolument, Jamel, on manifestait en toute liberté lorsque l'Algérie avait gagné, s'est qualifié en deuxième tour de la Coupe du Monde du Brésil. Les gens marchaient, manifestaient, scandaient, occupaient l'espace public. La police était là pour les soutenir et même pour applaudir. Mais lorsque les Algériens sortent pour exprimer un point de vue très sérieux, parce que ce qui se passe à Gaza, c'est un véritable drame, c'est un véritable génocide, presque 1000 morts, la plupart des enfants et des femmes, les images sont terribles, les images sont blessantes, les images sont choquantes. Autrement dit, on aurait pu laisser les Algériens, même avec leur couleur politique, il y a plusieurs couleurs politiques, pourquoi pas, parce qu'il s'agit d'abord d'une cause humaine et bien sûr politique, mais malgré ça, il y a toujours de l'interdit. Donc on est vraiment dans une situation de blocage vis-à-vis de l'expression de la rue, vis-à-vis de l'expression populaire, même si ça devient, même pour un petit groupe d'Algériens, même s'ils sont 1000 ou 2000, ça sera toujours la même chose. Les Algériens n'ont pas le droit de manifester dans la rue à Alger, ce qui est contraire à toutes les normes internationales en la matière. Vous ne pouvez pas si bien dire. On sent vraiment qu'il y a un fossé aujourd'hui entre ce régime et le peuple, ce régime qui ne permet à ce peuple de ne manifester que pour le football. Sinon, Badreddine Garfa, merci de nous avoir rejoints. Badreddine Garfa, cadre du FIS. C'est moi qui vous remercie, c'est Jamal. Merci. Alors, d'abord, je voudrais vous faire une remarque. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les images que nous venons de montrer de la manifestation dirigée par Ali Belhaj. Non, j'ai pas vu. D'accord. Mais alors, elle est très mal filmée. Elle est très mal filmée. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de monde, mais ils auraient pu confier le film de cette manifestation à des gens qui s'y connaissent un tant soit peu. Parce que le cadrage était très très mauvais, on avait l'impression qu'il n'y avait que quelques dizaines, sauf à parfois où on nous montrait un peu l'ampleur de la manifestation. Mais sinon, n'avez-vous pas eu le sentiment que le régime a tout fait pour que les manifestations des uns et des autres ne convergent pas, ne puissent pas faire jonction, pour faire une seule grosse manifestation? Bonjour, salam alaykoum. Salam alaykoum. Je suis d'accord avec vous, Jamel. Bon, j'ai l'impression que je revois l'Égypte en Algérie pour ce qui concerne ces manifestations. La jonction entre toutes les manifestations est interdite. Pour en faire une grande manifestation, comme ça s'est passé la dernière fois pour la manifestation, il y a eu 1 million d'Algérois qui sont sortis dans la rue crier leur colère contre l'agression israélienne sur le territoire de Gaza. Mmh. Bon, maintenant, ce qui est vraiment terrible, c'est la politique étrangère algérienne est en train de changer radicalement. Nous sommes très loin de l'Algérie avec la Palestine d'Alima Oumadlouma. Nous sommes maintenant, l'Algérie est contre la Palestine d'Alima Oumadlouma. C'est réel avec cet axe qui est en train de se former entre le régime algérien, le régime égyptien, l'Émirat, l'Arabie Saoudite et qui travaillent pour Israël et pour les États-Unis, c'est clair. Hein. Voyez ce qui se passe. Même, voyez-vous ce qui s'est passé en Imarat, Monsieur Guessoum, le chef de l'association de Relema algérien, qui fait partie maintenant d'une association qui travaille, qui a été créée par les putschistes égyptiens et imaratis, qui travaille contre l'Union des savants que préside le savant Al-Qaradawi. Donc que ce soit
au niveau des savants islamiques, que ce soit au niveau de politique étrangère, que ce soit au niveau du rétablissement de l'Égypte dans l'Union africaine, la main de l'Algérie est là, elle est claire du régime algérien, elle est là, elle est claire. Donc l'Algérie est en train de faire marche arrière, de complètement de changer sa politique étrangère bâtie depuis 62 sur des principes clairs, être avec tous les mouvements de libération, être avec tous les peuples. Oui, mais Badreddine Guerva, très franchement, oui. Jusque-là, depuis 62 jusqu'à ce régime, moi je préfère à la limite ce régime parce qu'au moins il assume ce qu'il fait. Parce qu'avant, il faisait beaucoup de déclarations de foi, beaucoup de professions de foi. Israël, alors qu'on a toujours su qu'il y a toujours eu des contacts avec le Mossad, ils ont toujours travaillé la main dans la main. C'était pour la rue, hein, ces déclarations, Zalima, Omadroma et tout le baratin. Le régime algérien de 62 à ce jour a toujours joué le jeu avec le sionisme. Oui, il y a du vrai dans ce que vous dites, Jamel, c'est vrai. Maintenant, le jeu est clair. Je crois que les Algériens aussi sont de plus en plus clairs. Voyons, revoyez la vidéo ou ce que vous avez comme information. Le slogan principal qui a été crié par les Algériens à Alger, c'est « Sissi assassin ». Oui. Donc les Algériens, « Sissi assassin ». Oh, bon, les Algériens... ce qui est dommage, c'est que la politique étrangère algérienne ne reflète pas ce que ressent le peuple algérien. Absolument. Absolument. Mais à propos du slogan, c'est Badreddine, à propos du slogan, justement, la presse aujourd'hui, oui. Certains journaux ont titré « Les slogans du fils reviennent ». Ça veut dire, parmi les manifestations que conduisait les Belhaj, il y en a certains, je les ai entendus, on ne les a pas passés dans la vidéo, quelques-uns qui criaient le fameux slogan Ali Anahia, Ali Anamout, Sabilia, Nujad, Anarqallah, etc. Et ça a fait peur aux gens. Vous ne pensez pas que c'est un peu maladroit de revenir avec de tels slogans? C'est maladroit ou pas maladroit, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que le peuple algérien doit s'organiser, les partis doivent s'organiser, on doit oublier nos divergences. Que ce soit dans les slogans, dans la politique, dans nos visions, maintenant, l'Algérie est en danger, le peuple algérien est en danger réellement. L'existence de l'Algérie est en jeu. Les Algériens doivent comprendre, il doit y avoir une prise de conscience réelle, qu'on doit investir la rue. On doit investir la rue. Restez avec nous, Badreddine. C'est Badreddine, restez avec nous, on va poser la question à Faisal. Faisal Moutaoui, vous avez entendu ces slogans lancés par quelques-uns, ce n'était pas la majorité qui criait donc avec les fameux slogans « Ali Anahia » ou « Ali Anamout ». Est-ce que ça vous a personnellement inquiété? Nous avons perdu Faisal, on essaye de le retrouver. Donc je vous laisse poursuivre, c'est Badreddine. Oui, donc les Algériens maintenant... ça peut être un début, la rue, investir la rue pour crier sa colère de ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Mais écoute, je voudrais revenir un peu historique. Regardez comment le problème palestinien, qui était au début un problème musulman, c'est devenu après un problème arabe, puis un problème palestinien, puis le problème de Gaza, puis le problème de Hamas, puis un problème de terrorisme. C'est vraiment dangereux ce qui se passe, alors que le problème, c'est un problème réel. Il y a Israël qui a confisqué la Palestine, et dans l'imaginaire arabe et musulman, la Palestine, c'est une terre musulmane, arabe. Cette terre-là a perdu pratiquement tout, et maintenant, il y a une petite parcelle à Gaza, comme si le problème était un problème de Gaza. C'est le problème de la Palestine. Et ce problème-là, à mon avis, ne sera pas résolu réellement et justement avant que les peuples ne se libèrent. Et croyez-moi que maintenant, la machine de la contre-révolution est en marche, ce qui se passe en Égypte, avec la connivence du régime algérien. Restez avec nous, M. Badreddine. Restez avec nous.
Nous allons. Faisal, on vous a perdu un petit moment. Alors, j'avais fait la remarque à Badreddine Guerfa. Je lui ai dit que j'avais entendu sur la vidéo de la marche organisée par Ali Belhaj certaines voix, ce n'était pas tout le monde, qui criaient le fameux slogan du fils des années 90, Ali Hanahia, Ali Hanamout, Officia Belia, Wakala, Wanelkallah. Et la presse, certains titres ont repris ces slogans. Ils ont dit « Le fils revient avec ses anciens slogans ». Est-ce que vous ne pensez pas que c'est contre-productif, ce genre de slogan, que ça peut séparer, diviser les Algériens davantage plutôt que de les rallier, de les réunir, de les rassembler ? Oui, moi je le pense. Ces slogans appartiennent déjà à une autre époque, parce que l'Algérie n'est plus la même depuis, hein, ça fait presque 20 ans. Beaucoup de choses ont changé dans le pays et il est vrai que le régime reste le même avec ses pratiques. Mais disons que dans la rue, dans la sphère politique, dans les sphères émergentes, avec les élites politiques, économiques, sociales, culturelles, il y a quand même beaucoup de changements. Et je crois qu'il s'agit de manifester pour Gaza et pour le drame palestinien, il faut oublier un peu ces couleurs, il faut oublier ces divergences idéologiques ou politiques, islamistes ou pas islamistes. Ça ne sert à rien. Il faut lutter ou militer d'une manière pacifique pour quelque chose qui fait réagir la rue dans le monde entier. Bien sûr que peut-être que l'intervenant, M. Badreddine, parlait de la politique extérieure. Oui, effectivement, il faut ouvrir le débat sur la politique extérieure. Comment la politique extérieure est menée en Algérie? Quelle est la position de l'Algérie par rapport au dossier palestinien? Quelle est la position de l'Algérie? Il est vrai que l'Algérie aide sur le plan financier les autorités palestiniennes, ça c'est une vérité. Je crois que c'est le premier ou le deuxième, non, c'est le deuxième employeur de fonds après l'Union européenne. Vous remarquez que les pays arabes très riches, les pays du Golfe, ne donnent pas grand-chose à la cause palestinienne. Mais disons qu'il faut effectivement ouvrir le débat sur la politique extérieure. La Palestine est un débat d'un moment qui doit fédérer tous les Algériens, quelle que soit leur couleur. Donc il faut qu'on oublie un peu ces petits débats politico-idéologiques algériens pour une cause grandiose qui est la cause palestinienne, même si l'attitude officielle d'Algérie reste un peu pas claire par rapport à ce tous. Oui. Le Badreddine Guerfa. Badreddine Guerfa. Badreddine Guerfa, vous venez d'entendre ce que vient de dire Faisal Mattaoui? Oui, oui. Oui, alors que pourriez-vous lui répondre? Non, je suis absolument d'accord avec Faisal que je salue au passage. Le problème, on n'a ni État, ni gouvernement, ni Parlement, ni opposition. On ne peut pas parler de politique étrangère, politique intérieure, de débat. Tout ça est faussé à l'avance. C'est ça le problème, c'est ça le drame algérien. Comment avoir une politique étrangère algérienne sans qu'il y ait un État réel, un gouvernement élu, un Parlement élu, avec des tendances politiques multiples, avec le respect des minorités, etc. Tout ça n'existe pas en Algérie. Donc comment ouvrir les débats? Les débats sont clos en Algérie. Les débats sont fermés, il n'y a pas de débat. Il y a la langue de la mitraillette, la langue de la force du pouvoir algérien, et c'est tout. Hein. Mais je suis d'accord avec lui que foncièrement, il faut que le débat s'ouvre pour la politique étrangère et pour tous les dossiers algériens. Il faut qu'il y ait un débat. Le peuple algérien doit avoir le droit de débattre de ses problèmes, de ses visions et de sa politique. Mais il faudrait encore que le peuple algérien, que la rue, puisse parler d'une seule langue, avoir de mêmes aspirations. D'abord, aspirer à un état de droit, aller vers un changement pacifique mais radical du régime. Après, les gens pourront élire leurs représentants selon leur sensibilité et leur mouvance politique respective ou différente les uns des autres. Mais afficher dès lors, dès maintenant, des slogans aussi forts qui ont marqué le passé des Algériens peut être contre-productif. Oui, je suis d'accord. Oui, je vous en prie, allez-y. Oui, je suis d'accord. Il y a un syndrome. J'appellerais ça le syndrome du fils, oui, ou le syndrome du slogan du fils, ou le syndrome pour le pouvoir. Et malheureusement, pour une grande partie de la presse algérienne, le syndrome 90. Il faut oublier ça.
La presse doit être vraiment, la presse doit être, je salue tous les journalistes honnêtes qui militent, etc. Mais la presse doit être une presse qui reflète les débats qui sont dans la société algérienne. Il ne doit pas prendre position contre ou pour tel parti ou tel parti. Écoutez, une minute, les Algériens, c'est vrai, doivent oublier le passé et passer au militantisme pour retrouver leur pays, pour récupérer l'Algérie, pour pouvoir bâtir cette Algérie dont on rêve depuis qu'on est né. Merci Badreddine Guerva. Un dernier mot, Faisal. Est-ce que vous pensez que cette manifestation, ces manifestations qui sont en train de se dérouler un peu partout dans le pays, vont donner le goût aux Algériens de retrouver la contestation populaire? Moi, je pense que c'est un peu prématuré parce qu'il s'agit de reconstruire tout le travail politique. Il est vrai qu'il y a beaucoup de choses à revoir en Algérie, le fonctionnement du Parlement, le président qui est absent, le fonctionnement du gouvernement, le fonctionnement des partis. C'est un pays qui, normalement, 52 ans après l'indépendance, et cette année, nous célébrons le 60e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale le 1er novembre 1954. C'est peut-être le moment de faire le point. Et à ce moment-là, c'est un peu le rôle de tout le monde, pas uniquement du régime. Le régime, bien sûr, il est dans son rôle, disons, entre guillemets, il voudrait bien que les choses restent dans l'état, qu'il n'y a pas de contestation, qu'il n'y a pas une opposition organisée, qu'il n'y a pas une société civile qui conteste, qui élève la voix. Le moment est de revoir beaucoup de choses pour passer à l'action, une action pacifique, démocratique, pour pouvoir changer les choses. Changer les choses brusquement, ça ne marchera pas. Il faut peut-être préparer l'opinion en faisant un travail de profondeur en restant sur le terrain. Il ne faut pas rester dans des réunions conjoncturelles qui n'ont pas d'avenir. Absolument. Faisal Mottaoui, merci. Badreddine Guerva, merci. En espérant vous revoir bientôt. Cette émission est maintenant terminée. Assalamu alaikum. Azul Fillaoun. Sahaf Torkoum.